Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette VOD. On est toujours en live et on se lance comme prévu avec la lance, les tours qui font plus de dégâts et qui tirent plus loin, les murs et les tours qui ont plus de PV et les ennemis qui ont plus de vie. On défie le dieu tortue. C'est parti. On va voir si ce starter-là fonctionne toujours. Donc on a plus de thunes, je pense que partir direct sur un moulin ici. Donc là on peut les faire avec un PV, une pièce, c'est très bien. On peut rajouter deux maisons ou alors une mine c'est 5 donc ça passe pas. Deux maisons ou une tour pour commencer à aider. Ou un autre moulin, ou une autre caserne directe. Ah, une autre caserne directe. Un autre moulin. Un moulin, allez. On va viser l'économie. Hop, c'est parti. Faudra que tu te l'achètes avant de battre les scores. Ça peut être un prérequis effectivement nécessaire, Zikino. Je dirais pas le contraire. Ok, avec leur PV, ils ont annihilé mes lanciers. Ça, c'est pas très très bon. Ça passe, mais un peu plus juste quand même. Après, pour rappel, hein, Zikino, il coûte 6,89 avec une petite promo les premiers jours de la sortie. Donc, j'ai pas de code pour celui-là, mais si ça te tente, c'est quand même assez facilement faisable. Hein. Alors, on va voir les bouboules ici. Les bouboules avec plus de vie, elles sont hyper, hyper énervées. On va devoir mettre nos lanciers dessus et voir si on peut s'occuper un petit peu des 18 là, mais vu qu'ils ont l'air PV en plus, ça va certainement être plus compliqué. On va voir. Allez, on y va parce qu'on a notre soin. Après, hein, la compétence active de la lance qui permet de se soigner et d'attaquer plus vite. Allez, là on a bientôt terminé les boules, le mur va tenir. Et salut, le Contamine et Recanton, tu vérifiais. Ah, t'es en train de télécharger BG3, ouais, je comprends. J'espère que ça va bien, Contamine. Viens profiter un peu du week-end, au calme. Alors, n'oublions pas les archers en haut. Les archers en haut. Donc là, les 8, ça va être un peu plus difficile à gérer. On a vu que 10, ils savaient pas faire. Pas trop calme ce week-end, allons bon. Et bienvenue Madara2, merci beaucoup pour ton follow. Ça fait bien plaisir. Tu prends 5 minutes de... Ah, t'as vendu ta cuisine équipée, donc du coup t'as plus de cuisine. Ou il faut la démonter avant de la vendre. Effectivement. Il nous reste 4 pièces. J'ai bien envie de faire une tour pour les soutenir un peu, mais il n'y en a pas encore. Il faudra que j'améliore mon centre de ville pour ça. 4 pièces, 4 pièces. Alors, je pourrais faire un moulin là, mais j'ai pas confiance. À mon avis, ils vont le défoncer.
Donc on va rester sur de la valeur sûre. Une maison. Ah, une maison, une tour. Ah, ou alors une autre caserne. Une autre caserne, ça pourrait être vraiment pas mal. Une autre caserne. Et on va prendre les chasseurs. Parce qu'ils m'ont vraiment envoyé du rêve. On va en mettre deux. Non, on va pas en mettre deux. Là, il n'y a rien d'autre. Non, on va être obligé d'en mettre un peu là. Pour soutenir, puisqu'il n'y a rien d'autre pour les aider. Et on va prendre quelques trucs. Bah, bon courage pour le nettoyage, du coup, contamine. Puis après, j'imagine qu'il faudra remonter une cuisine. Sinon, ça va être gênant. Allez. Et ici, avec nos deux chasseurs, on va tâcher de tenir. Comme on peut. Allez, en avant. Tant qu'ils arrivent. Bon, on les one-shot pas. En gros, ils ont 5, ils ont 50% de plus de vie. C'est normalement mes tours améliorés, les one-shot. Ok, ils ont défoncé mes chasseurs. Maintenant, ils vont me tirer dessus. Aïe. Aïe. Allez, on va pouvoir y aller. On a bientôt notre soin. Voilà, parfait. Même avec notre lance, on leur fait pas des dégâts de fou, hein. Ils sont très très résistants à ça, les archers. Ok, les tours vont faire le taf. Et là-bas, ils ont géré. Bien joué. Et... très bien joué. 10 archers là. Ici, 7 et 25. Donc, ça, c'est une... c'est pour vous. Je trouve que notre économie est quand même pas ouf, hein, personnellement. Franchement, je m'attendais à avoir un peu plus de sous que ça pour le... sans le mutateur là. Mais en vrai, les ennemis, ils nous donnent pas grand chose. Est-ce que j'ai oublié de l'enlever le mutateur? Non, j'ai pas oublié de l'enlever. Je trouve notre économie vraiment faible, en fait. Bon là, ils sont que 10. Je pense que si je mets les 4 comme ça, ça devrait le faire. Là, on va leur mettre une tour en soutien, du coup, parce que tout seul, ils vont galérer. Et on va essayer de se débarrasser très vite des tireurs pour aller chercher, pour aller soutenir de l'autre côté. Il me reste une pièce, on va faire ce champ. Avec un peu de bol, on le protège. Puis bah, si on le protège pas, tant pis. On va encaisser les premiers tirs, voilà. Sortie, donc si on annihile cela, c'est bon. Qui s'est mis en dehors de la map là. Ok, il nous reste que un comme ça à prendre, mais on va le prendre. Là, ça commence à passer. Alors là, on peut pas les taper au corps à corps, hein, ils nous défoncent. Ça s'est passé comment avec les autres? Ah, ils sont en train de passer là, ok, on va aller s'en occuper. Soigner un peu parce qu'ils tapent fort là quand même. On va aller chercher le tireur qui se barre là-bas du coup. Venez, venez les gars. Voilà, c'était le 4 qui manquait. Notre tour, mais c'est acceptable. Faire un peu de kite. C'est clair qu'ils ont plus de vie, hein. Ouais, va falloir qu'on améliore nos tours, tout à fait, Canton. C'est pour ça que j'essaie de conserver un peu d'économie, parce que je trouve que pour l'instant. Voilà, ils nous laissent pas non plus masse de pièces, quoi, les ennemis. Par rapport à quand on avait le malus. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on les gagne par nous-mêmes. Alors là, du coup, il y a ces gros tas. Il faut qu'on améliore ça. Il est grand temps. On va prendre ce petit truc-là. On a 9. Hein. Ça arrive que d'ici. Ça, c'est très bien, parce que eux vont être capables de gérer efficacement les bouboules. On va mettre un mur probablement pour aider.
stock. On va prendre les lanciers, on va les foutre devant. De toute façon, ça va exploser dans tous les sens. Hein. Là-dessus, on n'est pas très inquiet. On va faire une tour. Et je pense qu'on va faire un moulin de plus là-haut. Avec nos trois pièces. Se préparer pour la suite. Un moulin qui bloque les flèches. En vrai, il bloquait les flèches jusque là. Hein. Ouais, on va faire. Ça nous donne qu'une pièce pour l'instant, le moulin. Dans 3 tours, il sera rentabilisé. Mais dès qu'on aura fait des champs, ça sera pas la même. Allez, c'est parti. On rassure des bouboules, si on peut. Bon, on a annihilé nos chasseurs, mais nos chasseurs les ont annihilés elles aussi. Donc ça c'est trop cool. Là on n'a pas assez de vie pour encaisser une explosion. Hein. Ok, le mur a résisté. C'est ça que t'appelles avoir plus de vie, mur. Je suis pas hyper satisfait. Hein. Ok, on a perdu un mur. Il y avait une mine là? Non, il n'y avait pas de mine ici. Ça va. 30 archers là-bas, les 12 salopards ici. On va faire une petite mine. On va faire le mur ici, je pense, ça aidera. Certainement le mur là-bas aussi. Ok, maintenant qu'on a géré le côté défensif, est-ce que je fais ça ou est-ce qu'on se fait de l'économie? Des fois, il ne nous faudrait pas une maison déjà. Il nous faut de la maison. Allons-y pour une maison et on va se faire des chasseurs supplémentaires. Voilà. Donc on va prendre 3 chasseurs pour les mettre là. Voilà. Pouf. Alors je sais pas comment on choisirait si, si on avait nos 3 mines. Peut-être qu'il faudrait qu'on rentre et qu'on sorte dedans jusqu'à trouver le bon chemin. Ici on peut pas descendre. On va mettre les lanciers là. Normalement même avec le bonus de vie on devrait pouvoir gérer tout ça facilement. Ah, il m'en restait là, hein. Ouais, il m'en restait un. Toi tu vas venir nous aider avec les tireurs. Allez les gars, en avant, il y a du taf. On va les poser là pour qu'ils avancent pas trop, comme ça les tours vont tirer au maximum. Et on est parti. Tirer dessus là, attention. On a encore notre soin qui est revenu. Aïe aïe aïe. Ça pique. Bon, il faut 2 tirs de tour pour les tuer. On va prendre le focus. Allez, on esquive. On esquive. Esquive, on prend un peu de focus quand même. On a notre compétence qui est rechargée. En plus, on est en dessous de 30% de santé, donc il y a dur plus longtemps. Ok, c'est géré sur ce flanc. Venez-vous. Comment ça se passe là-bas? Ah, ça se passe que c'est fini. Parfait.
Alors, on a 24 pièces, 12 mecs ici. Il va nous falloir une caserne de lanciers en plus. Enfin, des plus de lanciers. Hop, les gars, vous venez ici déjà. Voilà, ça c'est fait. On va se faire la dernière mine d'or. Booster vraiment nos trucs. Ils sont coincés là, je sais pas ce qu'ils foutent. Tuck. Vous allez venir là-bas. Il y a des bouboules à tuer. Va nous falloir cette tour et il va nous la falloir améliorer. Non, pardon, c'est ça. Et avec les trois pièces qui nous restent, on va faire du champ. Parce que normalement, on a, voilà, trois champs ici. Toc. Voilà, parfait. Comme c'est complètement protégé là, ils coûtent une pièce, ils rapportent une pièce, ce qui veut dire que ils sont au moins amortis en une nuit. Et vu qu'il n'y a aucune attaque là, ils vont être amortis en 2 nuits. Sans problème. Enfin, ils seront rentables en 2 nuits. Allez, les gars, en avant, on y croit. On va aller taper ici. Force con. Là, il va exploser, non, ça va, il n'aura pas fait mal. On va crever. Le soin. Ok, c'est géré là. On va finir celui-là. Ça y est, les lanciers ont vu qu'il y avait besoin d'eux. Pas mal. Pas très bien même. Trente-deux pièces et on a un explosif là, un explosif là, un explosif là. Il nous faudra une caserne, mais on a 20 pièces, on va s'améliorer ça. On va faire de la maison. Ici, on va prendre les chevaliers pour tanker un peu. On a le mur en haut là. Ouais, on a le mur, mais il est de base. Il est pas cher à améliorer lui, hein. 5, avec un peu quand même. Oui, Khazar 0, c'est la même carte. J'essaie de faire toutes les quêtes de la carte. En fait, sur chaque carte, t'as des objectifs. Et tu dois réussir avec certains malus ou certains bonus. Et là, j'essaie de réussir avec la lance et le malus qui fait que les ennemis ont beaucoup plus de vie. Et du coup, bah voilà, c'est le... C'est la même carte avec des quêtes différentes quoi. Et du coup ça change quand même le gameplay parce que mine de rien c'est pas du tout pareil quand tu dois gérer comment dire, avec plus de sous, ou alors là les ennemis genre il faut 3-4 tirs de tour pour les tuer au lieu d'un. C'est assez ça change complètement le gameplay quoi. Ici il va falloir qu'on mette quand même un petit peu de troupes. Voilà, on va les mettre par ici pour rester à portée des tours. Et là, hop, on récupère ça. Et donc tout à l'heure on avait le malus pour avoir pas de sous. Donc là on a un peu plus de sous. J'ai pas assez de sous pour ça. Je veux activer la nuit. Alors attendez, on est d'accord que eux là... Ils apparaissent ici, ils apparaissent pas là. Hein. Ouais, on est d'accord qu'il n'y a rien sur ce flanc là. Ok, j'ai eu un vieux doute en voyant tout stacké de la gauche de la tarte là. Il y a plus de cartes, Khazar. Il y avait deux cartes dans la démo, là maintenant il y en a au minimum 4. Enfin, dont une qui est le tuto, mais 4 cartes. Mais chaque carte a 6 quêtes. Et c'est un jeu à score. Hein. L'objectif c'est de faire le meilleur score, de changer, mais il y a effectivement plus, il y a plusieurs cartes, non il y a plusieurs cartes.
Ouais, non, s'il y avait que ça, ça serait dommage. Après, comme ils le disent eux-mêmes, avec l'Ernie qui est sorti là, pour l'instant ils considèrent eux-mêmes que le jeu est petit, hein. Mais ils ont prévu déjà de rajouter d'autres cartes, de rajouter d'autres contenus. Et je trouve que c'est fort quand il y a combat, j'ai l'impression de hurler. Je vais baisser un peu encore le son. Il ne tuera pas avant qu'il tape sur le mur lui. Bah merde, je suis en train de surveiller la boule, je vais pas surveiller ma vie. Petite erreur. Ok, on va leur mettre un petit peu de... Oula, ils font mal hein. On va les faire courir un peu. Ça laisse le temps autour de taper. Allez, on en tue un. Ok, le deuxième va être géré. On va récupérer les troupes sur le chemin. Ça se passe comment à côté? Ici ça a cédé. On va y filer un coup de main. Un petit peu trop tard pour sauver la tour, mais on va pouvoir sauver le reste. Ah, tu fais moins le malin hein, quand on est à cheval. Parfait, c'est plutôt bien passé. On a perdu le mur là. Donc là, c'est le gros assaut des chevaux. On pourrait améliorer encore nos lanciers. Ça, ce serait tentant. Ce serait franchement tentant. Ça veut dire qu'on pourrait probablement mettre des lanciers là-haut et les laisser se démerder. Pour 16 pièces. Allez, pour 16 pièces. Je prends. On va prendre tout ça. On va les emmener ici. On va prendre tout ça et on va les emmener ici. On va leur mettre un petit peu de hérisson pour les aider et peut-être une tour ou deux. Toc. On n'a plus de maison d'avance, il faut qu'on fasse des maisons. Est-ce qu'on leur met des trucs en haut? Elles sont améliorées nos tours là-haut? Elles sont améliorées nos tours là-haut. Bon, il y en a quand même 35, on va leur laisser un peu de tireur pour leur filer un coup de main. Ici on va mettre une tour. De la maison. Donc j'améliorerais bien un moulin. Combien ça coûte d'améliorer un moulin? 4 pièces. Ça je le prends. Toc. Et toc. Voilà, parfait. Toi tu restes pour les aider. Et ici du coup, tout le monde. Est-ce qu'on va dans le goulot d'étranglement? Même pas sûr en fait, hein. On va rester dans les... Non, on va pas rester dans les murs. De toute façon les chevaliers vont sortir, ils vont mettre des plombes. Donc c'est parti. Vague 9 sur 12. Là on voit les hérissons, ils font très très mal aux cavaliers, hein. Ok, on est à portée des tours ici, c'est plutôt pas mal. Passe comment là? On a perdu un lancier, c'est très honnête. Bon, ici avec le goulot d'étranglement et les tours ça se passe bien. On va aller voir à côté, ici on va perdre nos derniers lanciers. Il y a encore deux tours et un mur à passer, ça va. Ici ça se passe comment? On perd notre dernier lancier. On a encore des archers pour aider. C'est vrai qu'Hazard là sur le live d'aujourd'hui là, je voulais, enfin de ce matin, je voulais essayer de faire vraiment les quêtes de cette map. Donc effectivement on va beaucoup voir cette map. Ici ils sont au mur. On va amener des renforts du coup.
Pour éviter que le mur ne tombe, parfait. Venez tous vous là. Non bah c'est géré de l'autre côté. Nickel. Une pluie d'or, une pluie d'or, monseigneur. Alors, on va voir les premières catapultes. Et on a ce qu'il faut cette fois pour faire une tour à baliste. Là, c'est parfait. Hop, on va aussi faire quand même des petites tours devant. Il est temps. Ces petits avant-postes, ils vont bien nous aider. Là-haut, on a les saloperies. Ici, on n'a rien. Et ici, on n'a rien. Ok, donc on peut prendre tout ça. Oula, je misclique. Et les envoyer là-haut. On va probablement améliorer ce mur, puisque de toute façon il faut qu'on le fasse. Et salut, quand t'as 23 soleils, tu t'es fait soulever ce matin sur la dernière vague de cette map. Ah bah elle est dure hein, cette map. Hein. Bah là on l'a réussi une première fois avec le malus qui faisait... Enfin on l'a réussi une première fois quand j'ai fait la découverte jeudi, mais là aujourd'hui on l'a réussi une première fois avec le malus qui diminue la thune. Et qu'est-ce que vous faites là vous? Et là on la tente avec la quête où il faut la lance et le malus qui fait qu'ils ont plus de vie. Et plus de vie, ils sont quand même bien énervés hein, les mecs. Hein. On va prendre quelques chasseurs. Hop. Hop. Voilà. Et ici, pour s'occuper de ça. Et tout le reste, pour s'occuper de cette map. Il nous reste 4 pièces, il nous faut de la maison. Allons-y pour de la maison. Il nous faut une petite maison de plus ici. Voilà, parfait. Je pense que ça va le faire. On va filer un coup de main là comme d'hab pour détruire les catapultes en premier. Nickel, voilà. La baliste a fait le taf. Allez, et voilà. Ok, fantastique. Allez, le soin là, faut se recharger. Parfait, bon, on a perdu la tour, mais elle était plus ou moins là pour ça. Hein. On va pas se mentir. Oh, mais t'inquiète pas, hein, Quentin. Hein, les viewers, Canton, il est toujours un petit peu chafouin. Tout à fait le droit d'être au soleil. Hein. Ok, sur ce flanc, ça va être bien géré. Oula, ici par contre, un peu moins. Si ça va, ok. Ils essayaient de me courir après, ça c'est les snipers de héros. Les espèces de petits verres explosifs là. Ils ont quand même buté une maison. C'est pas cool. Alors là on va avoir les gros tas. Donc là il nous faut des tours améliorées ici. Et ici. Et est-ce qu'on a assez? On n'a pas assez pour faire une tour baliste là, mais je vais quand même lancer les constructions. Parce qu'à terme, ça sera bien utile. Et avec 5 pièces, on pourrait améliorer ce moulin. Et faire un champ de plus. Ok, alors. Vous, elles arrivent où les boules? Elles arrivent ici. Donc vous, les gars, vous me les défoncez. On va également vous mettre des petits chasseurs. Hein, parce qu'ils vont être très efficaces. Et tout le reste... Vous allez tanker en haut. Hop là. Alors moi je suis en vacances depuis aujourd'hui aussi. Ça fait bien plaisir. Alors, ah t'as pas vu, j'ai essayé tout à l'heure de rentrer dans les mines et en fait ça t'amène effectivement de mine en mine. Bon là en l'occurrence ça m'aide pas. puisque je vais aller par là-haut. Mais ouais en fait il suffit juste de rentrer dedans et ça te téléporte de mine en mine. Tout simplement. On va les laisser gérer là-bas, je pense qu'ils sont assez nombreux. Et nous, on va... attendez, faut qu'on attende, là, les mecs, ils se traînent. Allez les gars! Allez! Ouais, vous êtes court sur pattes, mais faut y aller maintenant, hein. Ouais, j'ai vu, Zikino, que tu lançais un petit Age of Empires, c'est tout, mais t'inquiète, hein. C'est fait pour. Moi, je suis là pour divertir, hein. Allez, avant-dernière vague. Plutôt confiant pour le moment. Oh, putain, ils tapent trop fort eux par contre, même avec le soin.
Non, Zikino il joue pas à Pâquerette. Terrible histoire. C'est vrai ça, Zikino? Sont mes vidéos, hein? Waouh, ils font mal, hein. Ils font très très mal, hein, ici, hein. Il va falloir qu'on aille chercher des renforts. Je pense qu'ils vont avoir géré de l'autre côté. Faut qu'on essaie de traverser la vague sans crever. Ah, il nous aurait tellement fallu. J'aurais peut-être dû quand même investir dans une tour à baliste ici, même si ça cramait toute ma thune. Ici, ça se passe comment? Ça se passe que vous avez tout géré. Venez les gars, on a besoin de vous. Ok, ils se barrent. On va aller ici. On les lâche. T'es censé être à faire un tour de vélo, Zikino. Bah écoute, je suis heureux de t'avoir sur le live en tout cas. Allez, on court. Il faut me poutrer cela. Ah putain, en mode vie en plus, ils sont vraiment pas gérables. Hein. Ah, ça va être tendu. Ça va être très tendu. Je pense que ça va passer, mais. Encaisser quelques coups, on tape en soignant, même en soignant il nous dépiote, hein. Allez, on essaie de kiter, hop, pour les distraire un peu. Voilà, on a perd de la vie, on soigne, on come plus vite, on cogne plus fort. On va réussir à gérer ce groupe rien qu'à nous, mais est-ce qu'ils vont réussir à gérer l'en bas? Ils sont en train d'annihiler mes maisons. Non, faut pas que je crève, c'est pas le moment. Allez, la compétence là. Ah putain, ils sont tellement costauds. Bon, on a pas mal d'unités qu'on repopait en bas, ça va le faire. Ils nous ont laissé quelques champs, c'est gentil de leur part. Je sais pas si on a pas de moulin, est-ce qu'on a quand même de la thune, on va voir. Bah oui, bah j'essaye hein, de l'utiliser bien mon arme à Zikino, hein. Faut l'activer quand on est à 30% de santé, donc avec eux qui tapent très fort c'est chaud, mais... Oui, ils t'ont donné une pièce. Ouais, on a une pièce, cool. Bon bah la vague finale du coup, la vague finale. Alors on a un peu moins de gros tas. Que 17 pièces. Il y a 10 trucs explosifs partout. 17 pièces, ça va être chaud, hein. Allez, la vague là avec les monstres et leur PV améliorés, c'est tendu, hein. Bon, l'objectif ici, ça va être les catapultes assez vite. Donc on a une tour à balise, ça c'est plutôt bien. J'améliorerais bien les casernes. Deux casernes, il n'y a pas tapu. Ouais, j'améliorerais bien des murs, j'améliorerais bien un peu de tout, mais ouais, ça va être chaud. Hein. Ah, les bombes elles sont hyper chiantes. Il va nous falloir améliorer ce mur, il n'y a pas le choix. Donc on va améliorer une caserne de plus. Et du coup on va probablement améliorer les chasseurs, puisqu'ils sont vraiment hyper efficaces justement contre les bombes. Donc il n'y a pas de bombes sur ce flanc là. Il y a les monstres là-haut, on va mettre les chasseurs là. Les chasseurs, je les ai débloqués là il n'y a pas longtemps, et franchement ils sont hyper efficaces contre les monstres. C'est impressionnant, en 4 flèches ils butent une boule explosive là. Bon après ils meurent parce qu'ils se font exploser la tronche, mais... Là, vous, si vous pouviez gérer genre tout ça, à vous tout seul, ça m'arrangerait. Ça m'étonnerait, mais... Ah oui, t'as même pas eu les sous pour mettre des hérissons. Non, j'ai même pas eu les sous pour mettre des hérissons, hein, je fais ce que je peux. Hein. Là c'est pas amélioré, mais il va nous falloir nos derniers lanciers parce qu'il y a quand même 20 boules plus de la cavalerie, donc on va les mettre là. Toc. On a rien pour défendre en haut, on sait que ça va craquer, il y a 3 gros tas, on a quand même des belles tours. Ça va peut-être pas craquer, bon les 10 boules explosives ça va être chaud, mais bon. Ici on n'a pas du tout de truc explosif, donc on pourrait prendre les chasseurs, les envoyer là-haut.
alors ici. Et vous vous sortez et vous défendez vaillamment. Donc l'objectif ça va être de neutraliser les catapultes, après on ira gérer ce flanc là si on peut. On a rien contre les catapultes. Si si, on a une tour à baliste mais bon. Si elles sortent. Ok, tire là-haut. Ça me va. Ça me va, ça veut dire qu'il y a des trucs qui meurent, ce qui n'est pas forcément. Hein. Ça me va pas plus que ça, mais. Ok, les one shot. Le but c'est de la gêner, de l'empêcher de tirer jusqu'à ce que la tire à baliste la one shot. Voilà, on prend des dégâts là. Bon, ok, en vrai ça se passe pas trop mal sur ce flanc. Là il se démerde. Il y a encore des trucs qui pop. Ah, il y a le gros qui a popé, ça va être compliqué. Ici ils se débrouillent, ici c'est les enfoirés tueurs de héros qui passent donc ça va. Là ils atteignent le mur, il y reste principalement du tireur. On va pas avoir encore vu passer les boules explosives probablement. Bon ça me dérange pas trop parce qu'ils vont courir vers moi. Ici ils ont un tas de murs quand même, il y a une tour qui s'est fait buter donc on a raté une catapulte. Toi tu peux mourir toi. Tous nos lanciers se sont fait buter là à cause du gros tas, ils lui ont fait mal quand même. C'est plutôt pas mal. Ok ça commence à passer là aussi. Là on a qu'un vieux mur. Ouh putain notre mur a... Oh là 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 là, oui c'est passé, passé là. Il faut qu'on diminue ce tas. Allez, que des gens. Plus on a une lance donc on est efficace contre la cavalerie, ça c'est bien. Le problème comme d'hab hein, c'est les gros tanks hein. Bah ouais, y a les boules elles arrivent. Est-ce qu'on peut, ça commence à arriver en haut aussi on dirait là, il y a des boules qui passent. Ah putain, il y a des tueurs de héros là qui font hyper mal. Bah oui ça craquait, j'ai vu, il y a des boules qui passent. Là, cette tour va craquer. Il reste plus grand chose là. Ça se gère, ça va se gérer. L'arc est très fort hein. Il est un petit peu mou contre quand on a le malus qui fait qu'ils attaquent plus vite, enfin ils ont plus de PV. Ok ça va passer. Ça va passer. La tour à balise va peut-être même survivre. Oui. C'est beau. Oh là là. Alors la lance du coup je sais pas si tu l'as déjà essayé Quentin, mais sa capacité spéciale c'est que quand tu l'active, ça te soigne massivement et t'attaque beaucoup plus vite. Donc ça fait quand même des dégâts qui sont vraiment très propres. Et on a des queues, donc c'est un faucon ça, très bien, la queue de faucon, un grand classique. Ils sont beaucoup plus rapides, ah, ok. Et donc si tu l'actives quand t'as 30% de santé c'est plus efficace aussi. Alors ça c'est pour le centre du château niveau 3. Oh, ouais c'est intéressant. Là ça typiquement pour utiliser la lance, ça c'est très fort ça. Et ça c'est un truc violet. Et t'as même pas battu ton meilleur score. Non j'ai pas battu mon meilleur score. Bah non parce qu'avec plus de vie il passe trop. Et le bonus d'argent est pas si important que ça vu que de toute façon l'argent tu la dépenses. Ce qui est important c'est de protéger ton centre. Ok, ça c'est fait. Et donc il nous reste à faire 12 000, ce qui serait jouable hein, si on arrive avec ça. Donc ça serait celui-là et celui-là. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus de dégâts. Waouh, ah oui, cadeau quoi. Ça j'ai pas trop vu la différence, parce que les trucs explosifs butaient quand même les murs en deux fois. Mais c'est vrai que les tours ont quand même bien résisté. Hein.
Ça, je pense que ce serait vraiment pas mal. Ils ont pas plus de vie, donc on pourrait peut-être se passer de la tour arcane. Oh, c'est quand même hyper fort la tour arcane. Non seulement ils font plus de dégâts, mais en plus ils tirent plus loin, donc ils peuvent one shot des archers ou des péons à pied là. Ce qui fait que s'ils vont plus vite. Enfin après ils vont plus vite, donc ils arrivent plus vite au corps à corps. Hein, donc Ah, il fonctionne bien Gladiator, du coup je l'ai débloqué, je l'ai pas testé encore Quentin, et je me demandais. Parce que c'est vrai que sur cette map on se sert beaucoup des casernes, mais je savais pas beaucoup plus rapidement ce que ça veut dire. C'est vraiment beaucoup beaucoup plus rapidement. Ok, bah du coup on va peut-être tester ça alors. Laissez tomber ça parce que de toute façon s'ils font plus de dégâts ils vont nous les défoncer. On garde les tours. Et on garde l'école de gladiateurs. Pour que nos casernes soient rentabilisées. Ça va être compliqué niveau sous, je pense. Mais bon, on peut prendre que deux atouts de toute façon. Est-ce qu'on garde la lance? Ouais, s'ils font plus de dégâts, ça sera intéressant de se soigner, je pense. Ouais, on va prendre ça. On va arrêter du coup l'épisode de VOD ici. Et on va se faire une dernière tentative avec bah, cette quête-là. On verra si on arrive à tirer le 12 000. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, n'hésitez pas, je bois un petit coup. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite.